Est-ce que vous pensez vraiment que le championnat d'Arabie Saoudite peut rivaliser avec les championnats européens? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du championnat d'Arabie Saoudite. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien, si c'est chez nous, on parle de foot. Si c'est chez nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que vous pensez vraiment que le championnat d'Arabie Saoudite peut rivaliser avec les championnats européens? Je pense notamment à la Liga, à la Premier League, Ligue 1, Bundesliga, championnat du Portugal. Parce que lorsque moi je vois le championnat d'Arabie Saoudite, ce n'est pas un championnat de Touquin, ce n'est pas un championnat de Touquin, c'est un championnat qui est quand même d'un très bon niveau, hein. D'un très bon niveau. Et je pense même que les quatre premiers, les quatre, cinq premiers du championnat d'Arabie Saoudite peuvent vraiment faire quelque chose avec les clubs de Ligue 1, excepté le PSG. Ils peuvent vraiment faire quelque chose aux équipes de Ligue 1. Ils rivalisent avec Lens, ils rivalisent avec Marseille, PSG. J'en suis presque convaincu. Après, on va laisser le temps au temps. Est-ce que sur le long terme, ça va rivaliser complètement avec les championnats européens? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.